C'est bon, tu peux démarrer. Hein? Ça va? Bonjour! Hello! Ouais. Je suis agressée, ça y est! On est en Europe! On est en Europe! Pardon. Non, c'est vrai? Non, mais c'est pour Strasbourg! Mais je sais! Laissez-moi là, kiffer! J'ai regardé le match! Laissez-moi kiffer! Ouais, il est content, il est content. C'était horrible, mais le terrain était pourri. Donc voilà, hein, merde. Plutôt de toute façon, dès que c'est l'Alsace, hein. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Aïe. Voilà, même quand il y a une simple émission, même culinaire, hein, ça marche aussi. Ah ouais, ça marche, hein. On pète le son, là. Oh, oui, c'est comme s'il y avait un petit radar de brancher. D'un seul coup, vous le voyez, il relève la tête et la tête va vers la télé. Pas commentaire. Enfin bref, c'est pas trop le sujet. Non, c'est pas trop le sujet. Bonjour, on espère que vous allez bien. Nous, ça va. Nous sommes Pop 481. Ah bah dis donc. Non, nous, ça va bien, ça va bien. On voulait déjà faire une petite vidéo de réception pop, vous le savez. Donc, on l'a fait aujourd'hui. On a eu quelques petits arrivages la veille, hein, bah, pour ceux qui étaient là dans la vidéo de Dessy, voilà. Vous le savez. Bon, par contre, il y aura pas tout. Ouais, il y aura pas tout, montrer, et il y en a... Et il y en a d'autres aussi qu'on ne peut plus montrer vu qu'elles ne sont plus là. Voilà. Voilà, vu qu'elles sont déjà parties, donc... Dans d'autres familles. Voilà. Des familles aimantes. Oui. Donc les autres, il y en a qui sont soit réservées et du coup qui partiront à partir de lundi. Qu'on peut quand même vous montrer parce qu'il y a un autre arrivage qui va encore arriver. Donc voilà. Moins, vous le savez. Et il y en a qui n'attendent que vous. C'est ça. Voili voilou. Donc du coup, je pense qu'on peut commencer. Bon, là, vous le voyez, d'ailleurs, on commence... Bon, je peux pas vous montrer le haut de la boîte, parce qu'en fait, la pop est grande. Et mine de rien, je touche déjà le trépied avec le bas de la pop, donc je peux pas aller plus loin. Donc voilà. Donc c'est une petite pop super mignonne, enfin petite, on se comprend, voilà, qui est avec Mickey. Elle est super choupie, voilà, ça rappelle tout simplement le Fantasia, qui est vraiment au top. Moi, je sais que quand j'étais petite, je la regardais pas mal. Donc voilà, ça, c'est pour les nostalgiques qui peuvent être parmi nous. Et bien entendu, les amis, toutes nos pops sont au meilleur prix possible. Voilà. Donc, vraiment le meilleur prix possible pour l'exclusivité que c'est. Si c'est du box lunch, non, c'est le meilleur prix, très clairement. Si ce sera du Hot Topic, ce sera le meilleur prix. Si ce sera une exclusive simple, c'est le meilleur prix aussi. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce qu'on veut essayer de vous proposer, c'est les meilleurs prix possibles. Donc voilà, et on est très fiers de voir que face à certains concurrents, on peut être bien moins cher. Donc ça, ouais, c'est un kiff. C'est aussi. Ça. Donc voili voilou, pensez-y. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui aime des pop, si jamais vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir, n'hésitez pas. Voili voilou. Voilà, donc au pire, vous faites un petit tour sur la boutique, on vous mettra encore le lien, bon, même s'il est déjà dans la description de la vidéo, on vous le mettra encore dans un commentaire épinglé, j'allais dire, non, pas d'infos, mais non. Donc, du coup, voilà, pour la première petite pop, tu vas pouvoir... Petite, hein. Oui, petite. Mais bon, elles sont toutes petites. On va rester sur Disney, tiens. Oui, ouais. Ah, celle-là, elle est trop belle. Oui, elle est super jolie. Donc ça, c'est une réappro, du coup, les amis. C'est une pop, franchement, qu'on trouve très très belle. Ouais, elle est magnifique. Donc, oh là là, elle est trop trop belle. Donc, c'est Stitch. Donc, il est dans une sorte de petite cloche. C'est vachement bien présenté. Pareil, là, je peux pas vous montrer le haut de la boîte, malheureusement, parce que bon, bah voilà, je touche le trépied. Je peux pas aller plus bas. Mais bon, voilà, la boîte est canon, la figurine est canon. Le Stitch m'a fait penser qu'on aurait bien voulu... Enfin, moi, j'aurais bien voulu vous montrer une petite pop de Gollum. Mais malheureusement, on l'a pas là. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Gollum, hein, mais... je sais pas non plus. Hein. Voilà, ça m'a fait penser à Gollum. Voilà. Mais bref, voilà, cette petite pop, elle est aussi super mignonne. Elle est vachement bien présentée. Et je trouve que ça change de la présentation, voilà, des autres pop qu'on peut avoir d'habitude. Ensuite, tu vas réussir là-bas, hein. Y a un moment, je pourrais plus. Donc là, ensuite, on va passer... donc, on est toujours dans l'univers, voilà, Disney, tout ça. Donc, avec l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et donc, bon, là, vous commencez déjà à voir le petit logo. Je pense qu'il y en a même certains avec le petit truc, là, ici, doivent déjà même savoir ce que c'est. Voilà, pour ceux qui connaissent, qui collectionnent ou qui sont fans. Voilà.
Donc là, c'est... voilà. Merci de ton intervention, c'était très constructif. Merci. Oui, merci. Donc voilà, cette pop, pareil, elle est super jolie. Voilà, donc c'est avec Zero. La Chase. Voilà, donc c'est la Chase, en plus, version Glow in the Dark. Et là aussi, les amis, c'est le meilleur prix. Voilà. Vraiment. Et elle est magnifique. Elle est trop belle. Ah ouais, elle est super canon. On regardera peut-être, les amis, de vous faire parfois des petites vidéos, notamment sur FB, tu vois, pourquoi pas, des petites vidéos, pour vous montrer peut-être certaines Glow in the Dark. On vous fera une petite vidéo dans la pénombre, juste pour que vous puissiez voir peut-être le petit effet Glow in the Dark. Oui. Mais j'aime bien, moi, Zéro. Oui, j'aime bien. Donc voilà, donc bien évidemment, c'est à retrouver sur la boutique. Et comme dit, c'est vraiment au meilleur prix. On essaie vraiment de satisfaire un maximum la clientèle. Donc, voilà. Wow, elle est lourde, hein. Elle est lourde, hein, celle-ci aussi. Hein. Ouais, en fait, elle est lourde. Donc ça, les amis, c'est un réapro. Un réapprovisionnement, une réapro. Bah non, un réapro. Oui, oui, c'est un réapro. Voilà. Il y en a donc... d'autres encore qui vont arriver, mais après, il n'y en a plus. Voilà, après, donc, ce sera terminé. Surveillez la boutique parce qu'il y a un nouveau stock qui va donc rentrer. Donc là, vous inquiétez pas, c'est pas abîmé. En fait, c'est juste un film de protection. Donc voilà, pour ceux après voilà, que ça n'intéresse pas d'avoir le film de protection par-dessus parce qu'il va y avoir un pop. Voilà, bah, il vous suffit du coup de l'enlever et puis, puis vous voyez le truc correctement. C'est vraiment c'est juste pour protéger en fait le devant de la boîte de la pop. Voilà, voilà. Mais elle est super jolie, donc bah voilà, c'est avec le monde d'Harry Potter. Donc elle est super choupie, donc c'est la voix numéro 9¾ quand il arrive là-bas. Trop trop choupie. Et en plus, on voit Edwige. Oui, et Desi adore Edwige. Oui. Ouais. D'ailleurs, les amis, on vous réserve encore une petite réception de pop d'ici les prochains jours, peut-être semaine au cas où. Edwige sera mise en avant. Hey oui. Alors, pour rester dans l'univers d'Harry Potter. Nous allons donc découvrir une licorne. Voilà. Bon, non, là, en vrai, on va vraiment sortir du secteur. Mais là, il y a une licorne. Parce que toi, pour ça... Bah, il y a une licorne. Il y a une licorne. Alors, chérie, je sais qu'il y a une licorne aussi dans Harry Potter. Ben voilà. Donc, on reste dans l'univers. Un point, c'est tout. Mais, oui, enfin, c'est quand même différent. Hein. On reste dans l'univers. C'est une licorne. Et t'aimes bien la licorne, je présume. Oui. Elle a une tête de concombre. Mais voilà, du coup, ça s'appelait à qui et ça marche aussi. Ah, bordel. Mais pour ceux qui connaissent, les amis, c'est Bob's Burger. J'adore ce dessin animé. Je le kiffe. Je sais, bon, par contre, ça fait longtemps que j'ai plus regardé. Donc, je sais même plus si ça existe encore. Mais j'ai toujours kiffé, j'adore les persos. Donc, voici. Alors, si je dis pas de bêtises, parce que je ne vois absolument rien de là où je suis, ça doit être Espresso Tina. En mode petit voyage sur sa petite licorne. Voilà, voilà, en mode totalement shooté aussi. Bah, c'est pratique d'en avoir une licorne pour se déplacer. N'est-ce pas? C'est cheaté. Mais c'est une pop franchement super. Et pareil, super. Elle vous attend. Et toujours au meilleur prix. Ouais, on va le rappeler tout le temps, mais on est vraiment content de pouvoir vous proposer le meilleur prix sur les pops. Et ça, c'est vraiment. Voilà, c'est un kiff. Donc surtout, n'hésitez pas. Pop suivante, alors celle-ci par contre si je dis pas de bêtises, on vous la montre parce qu'il y aura un réassort, mais cet exemplaire là notamment est déjà parti. Dessy ne parle pas. Mais c'est parce qu'en fait j'enlevais un petit truc dessus. Voilà, donc oh mon dieu. Donc il s'agit donc de elle Toy Story. Elle n'aime pas Toy Story. Ah, je j'adore déteste. Toy Story. J'adore. Ah, je déteste. Le design est dégueulasse. Je suis désolée, mais je n'aime pas du tout. Ouais. Disons que moi, au niveau des Disney, je suis assez... C'est pas Disney, je suis désolée. Moi, je resterai sur Pixar. Voilà. Oui, je sais. Mais bon, en attendant, quand tu vas à Disneyland, voilà, tu trouves les attractions, etc. Je veux dire, voilà, ça reste... Disons, il y a... C'est relié. Ça reste relié, tu vois. Je veux dire, donc pour moi, voilà, ça reste plus ou moins Disney, et personnellement, moi, là-dessus, je suis assez vintage. Ouais, en fait, elle aime les premiers Disney, c'est tout. Alors, non, je n'aime pas que les premiers Disney, et je ne les aime pas tous. Genre Blanche-Neige, vous m'oubliez, je m'endors devant. dans 5 minutes, je suis plus là, théoriquement.
Je veux dire, bon, voilà, c'est mignon, hein, c'est mignon, c'est tout ballon, voilà, c'est super, mais bon, au bout d'un moment, je veux dire, t'es là, devant ta télé en train de regarder Blanche. Voilà, c'est dormeur. Voilà, tu pars, quoi. Théoriquement, c'est pas possible. Mais oui, franchement, oui, il y a d'autres Disney, ouais, que c'est j'adore. C'est quand bah. Oui, voilà. que j'adore. Genre, il y a La Belle et la Bête, il y a Mulan, Tarzan, j'adore aussi. Aladdin, enfin, voilà, je veux dire, c'est vraiment. Voilà, j'adore au niveau des histoires, etc. Toy Story, mon dieu. Non, il y a un truc que j'aime bien. Un truc. C'est le chien. Monsieur Saucisse. Même si je trouve son nom extrêmement discriminatoire. Hé, hey, ça suffit, toi. Moi, j'aime bien la tirelire. Bah oui, tu m'étonnes. Il est fan de cochon, celui-là. C'est comme ton dandinou, là. Ah, je kiffe. Oh, ah, mon dieu. Il est trop mignon. C'est dans Gravity Falls, ça, les amis. Ouais, c'est pareil. Bon, c'est pas un Disney, mais bon, voilà, c'est un animé qu'on aime bien regarder. Mais oui, il y a une sorte de cochon qui s'appelle Dandino, et ça, évidemment, dès que Chaos l'a vu, il était content. Il est trop mignon. Ah oui. Et évidemment, en plus, il y avait une pop dessus, alors là, bon, qui n'est plus là. Ah oui, elle est partie, je suis pas le seul à aimer. Hein. Ah. Heureusement, elle est partie. Bah, dis donc. Je peux encore aller la rechercher. Mais bah non, elle est partie, comment tu veux? Je cours. Tu cours? Oui. Allez, tu laisses la dandinou au pli, hein. Il est trop mignon. Tu peux pas l'arracher aux mains des clients. Il est trop mignon, trop mignon, trop mignon. Trop mignon, moi je kiffe. Bref, on va enchaîner. On va d'abord commencer par ça, tu vois. Allez, ouf. Là, on part sur des petites. Voilà, hein, ce sera quelques petites. Alléluia. Donc là, voilà, donc on démarre avec Flash. Bah, d'ailleurs, on démarre avec l'église aussi. Oui, aussi. Bon, du coup, j'ai plus besoin d'avoir un zoom aussi important, mais bon, du coup, comme on avait les toutes grosses, voilà, c'était vraiment nécessaire, mais bon, et encore, il aurait même fallu encore plus dézoomer. Mais bon, c'était pas trop possible. Mais donc voilà, donc pour ceux qui sont assez fans des super-héros, voilà, vous pouvez aller pareil faire un tour sur la boutique. Vous trouverez certainement votre bonheur. Suivant. Non, c'est pas la famille Adams. Hein. Ça, c'est bientôt d'ailleurs. Pas trop. Ah oui. Eh ouais. Je les ai pas oubliées. Ah hein. Ouais. Oh là là, puis elles sont trop belles. Ah oui, qu'elles sont jolies. Oh, pardon, c'est pas drôle en plus. Mais ouais, elles sont magnifiques. Donc ouais, franchement, pour ceux qui sont fans de la famille Adams, il y en a, mais... Ah ouais. Celles qu'on va avoir, elles sont super canons. Il n'y a rien de listé sur la boutique encore. Non, elles sont pas, elles sont pas encore listées. Ce sera là quand on les aura en stock. Voilà. Ouais. Mais ouais, franchement, elles sont super canons. Donc pour ceux qui adorent, ça devrait quand même envoyer du pâté. Donc ouais, non, franchement, c'est hyper canon. Quelle est la suivante? Ah, il fait son choix. Il fait son petit marché. Ah, Arya Stark. Voilà, donc pour ceux qui sont fans de cette série, donc Arya Stark. Alors là, par contre, toutes les précommandes de Game of Thrones. Toutes les précommandes sont totalement parties. Oui. On est encore en attente de réassort sur cette pop-là pour faire partir le reste des précos. Je sais qu'il y aura encore un petit stock. Je ne sais pas combien, par contre. Je ne sais plus. Donc surveillez la boutique si jamais l'Arya Stark. Parce qu'en plus, elle est très classe, cette pop. Elle est vraiment classe. Donc c'est, vous le voyez, hein, c'est de la Spring Convention, voilà, de Funko bien entendu, yeah. Y a également les hyènes, hein, qui vont pas tarder à venir, du Roi Lion. Ouais, elles sont super mignonnes. Ouais. On voulait vous montrer également les pop Quidditch Harry Potter, mais on les a fait partir, les premières préco. Il y en a d'autres encore qui vont venir, donc elles on pourra vous les montrer à ce moment-là. Elles sont magnifiques par contre. Hein. Ouais, elles sont vraiment très très canons. Elles envoient du pâté, hein, clairement, là, je vous promets, c'est une merveille. Donc, comme dit, pour l'Arya Stark, surveillez la boutique. On aura encore un réassort qui n'est pas compris dans les précos parce qu'on avait arrêté entièrement les commandes. Donc, je sais qu'on aura un petit stock supplémentaire. Je ne sais pas de combien de pop, c'est peut-être 3, 4, pas plus. Mais ce sera remis en ligne très prochainement également. Donc, si jamais, au pire, voilà, vous voulez être averti de quand ce sera chez nous,
N'hésitez pas d'ailleurs à mettre votre mail. Vous allez directement sur la fiche produit. Vous avez un encadré directement pour ajouter votre mail pour être prévenu. Pour quand la pop, quand on remettra de nouveau quelques pop exprès pour être réservé. Et puis voilà. Pop suivante. Ouais. Celle-ci, pareil, actuellement en rupture sur la boutique. Mais il y a un petit stock qui va venir, donc on attend pareil de l'avoir avant de remettre en ligne. Voilà, donc il s'agit de Bulle Bizarre, elle est super choupie. Elle est trop trop mignonne, d'ailleurs vous pouvez aussi retrouver en précommande. C'est pour les prochains mois à venir, il y aura la petite Salamèche. Vous avez également une grande version aussi de la Bulle Bizarre. C'est comme les cartes, c'est la version Jumbo. Voilà, c'est ça. Il y a aussi le Pikachu. Donc là, la version, je vais pas dire classique, mais la première pop qui avait eu justement. Qui arrive demain. De Pokémon. Soit dit en passant, elle arrive demain. Voilà. On l'a demain en stock. Voilà. Donc à la limite, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu faire une vidéo demain, mais sincèrement, avec ce qui va venir, il y a de quoi refaire des vidéos au cours de la semaine s'il faut. Vraiment. Mais on a hâte. Et en plus, je vais pas vous mentir. Qu'est-ce qu'on a envie de se lancer dans les pop? C'est très très compliqué. Oh, c'est trop classe en fait. C'est trop classe. Ouais. Quoi. Les pop Harry, les pop Pokémon, il y a plein de pop. Il n'y a pas de place. Ah ouais, c'est ça le pire. C'est horrible quoi. C'est horrible qu'il n'y ait pas de place parce que franchement, si ça tenait qu'à moi, mais là les pop, mais je commencerai tout. C'est magnifique les pop. Je kiffe. C'est pas comme les premières pop par contre où là, bon, c'était un peu plus. Voilà, discutable. Mais là, les pop, elles sont juste magnifiques. C'est ouf quoi, c'est ouf. Donc là on enchaîne, donc là on est dans le monde d'Harry Potter, voilà on y retourne. Donc là on retrouve Simus, voilà, qui s'est fait exploser la tronche. Donc voilà, donc pour les fans, voilà, vous savez que c'est un moment représentatif du film. Voilà, c'est ça aussi qui est chouette avec les pop. D'ailleurs, on est en train de se refaire de nouveau les Harry Potter. On n'arrête pas de se faire les Harry Potter. Oui, bon, nous, de toute façon, on est fans de base. En fait, moi maintenant, quand je suis devant Harry Potter, j'arrête pas de penser aux pop. Voilà, et du coup, on voit des pop partout. Ah ouais, et en toute franchise, il y a des passages. Des pop qu'il pourrait y avoir, disons plutôt. Ah ouais, il y a des passages de films. Faites des movie moments, hein, parce que franchement, clairement. C'est faisable, déjà, c'est pas des trucs trop compliqués à faire, mais il y a plein de trucs à faire. Plein. C'est juste magique, quoi. Moi, je suis fan. Clairement, je suis fan. Sûr. Bah, petite dernière pour aujourd'hui, du coup. Il y aura sa copine qui arrivera, si je dis pas de bêtises, elle arrive cette semaine. Mm-hmm. Ce sera Hermione qui arrive cette semaine. En attendant, elle revient plutôt. Oui, elle revient. C'est un petit réassort. Voilà. Donc là, vous avez Ron Weasley. Donc avec le Choixpeau. Donc on avait déjà Hermione avec le Choixpeau, mais bon, voilà, elles sont toutes parties. Réassort cette semaine. Donc voilà. Donc notamment pour honorer les commandes clients, notamment. Mm-hmm. Donc, puis là, il y a le petit Ronny, c'est Ronron. Et d'ailleurs, les amis, très bientôt, il y aura une très grosse réception de pop Harry Potter. Et je vous garantis que c'est très compliqué de résister à l'envie de les garder, parce que c'est vraiment terrible. C'est franchement vraiment, vraiment terrible. Ouais, c'est une vraie lutte. Hein. À chaque réception, ça devient de plus en plus compliqué pour nous, en fait. Donc voilà, à chaque fois on est obligé de lutter et puis de se dire non. Non, on n'a pas la place, bordel. Non, tu ne testeras pas ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour toi. Mais c'est super classe. Ouais, franchement, oui, ça envoie du lourd, quoi. Donc voilà, donc on espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, comme dit, si jamais, je sais pas, si vous connaissez quelqu'un et que c'est son anniversaire ou il y a une occasion particulière, etc., vous voulez lui faire un cadeau, il aime les pop, il ou elle, hein, peu importe. Aime les pop, voilà, vous savez que vous pouvez en trouver directement sur notre boutique. On en rentre très régulièrement. Voilà, on reçoit très très souvent des nouveaux arrivages. D'ailleurs, on a dépassé la centaine de références et on les a dépassées très rapidement. Oui, très bien. Surtout sur ces derniers temps, et je pense qu'on aura bientôt plusieurs centaines de références d'ici. Pas très longtemps en fait. Voilà. Vraiment voilà, il y a du choix, vous pouvez trouver assez facilement, je pense, le bonheur, que ce soit pour vous ou même pour un proche, un ami, peu importe.
Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, même si bon, on n'a pas pu tout vous montrer. Ouais, on n'a pas pu. Mais comme dit, on vous fera peut-être encore une fois quelques petites vidéos, parce qu'il y en a encore qui vont venir. D'ailleurs, je vois qu'on en a laissé juste là-bas, bien protégé. Voilà, il y a du Hello Neighbor, il y a du Predator, il y a du Seigneur des Anneaux. Enfin voilà, il y en a vraiment plusieurs. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique. Je pense également qu'on mettra à jour à peu près les catégories au niveau des pop pour que tout soit plus simple. Parce que là, à part cliquer par exemple sur Movie, ben voilà, vous cliquez sur Movie et puis Joyeux Film en fait. Et ben, voilà, on aimerait bien un truc un peu plus... voilà, mais bon, ça, ce sera par la suite. Voilà, et pour ceux qui se posent la question, notamment parce qu'on sait voilà, qu'il y en a qui les gardent en boîte, ou, etc. Donc ils veulent savoir notamment comment est-ce qu'on envoie. Donc on protège, que ce soit les pop, Pokémon ou tout autre produit. Ou tout autre produit, tout est protégé. Absolument tout. On met beaucoup de bulles, on protège vraiment à fond. Il n'y a pas de souci là-dessus. Parfois on met des cartons. Mais après, bon, là, ça dépend aussi du... Enfin, des cartons pour une pop, hein, par exemple. Hein, je ne parle pas. Oui, on envoie toujours sous carton. Vous avez, parfois, vous avez une pop qui est déjà dans un carton. Donc, elle est protégée de base. Elle ne peut pas avoir de choc. Donc, du coup, le carton en lui-même est protégé. On le protège. Et après, ça, on dans met un autre carton. Dans un autre carton qui, après, vous êtes envoyé. Tout est calé à l'intérieur, etc. C'est protégé, ça ne bouge plus. Donc voilà, donc là-dessus, non, on protège énormément. Bon, pour ceux qui sont déjà passés par nous, vous le savez. Voilà. Donc, non, là-dessus, on fait tout simplement nos envois comme nous, on aimerait les recevoir. Et je vous garantis qu'on n'en reçoit pas beaucoup des comme ça, par contre, des envois. Oui, c'est une rareté. Ah ouais. Vraiment. Ah, même les fournisseurs, ouais, c'est... Donc voilà. Donc vraiment, quand vous les recevez, quand vous recevez voilà, tous nos produits, c'est exactement dans le même état que nous, on a pu les avoir. Donc voilà. Voilà. Tu voulais dire quelque chose ? Non. Ah d'accord. Donc si la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à faire péter la barre de like, à partager, à commenter. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire voilà, quelle pop est-ce que vous collectionnez, quelle a été la pop que vous préférez parmi toutes celles que vous avez pu voir dans la vidéo. Et puis aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ouais, je suis en train de réfléchir à laquelle je préfère, mais je peux pas. Je peux pas, j'en suis à 5, 6. Voilà quoi. Bref, donc les amis, quant à nous, on se retrouvera très très vite. Donc d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et profitez à fond de votre passion.